Là, c'est encore pire. Une dernière question sur le foot. Oui, alors, petite précision peut-être à apporter. Vous nous avez indiqué que vous aviez transmis le nom de victime au ministère des Sports. Juste nous Aux préciser, inspecteurs généraux. Oh, voilà, juste nous préciser sur quel type d'affaires vous avez transmis Le domaine de l'arbitre. sur. Domaine de l'arbitre. Le domaine de l'arbitrage. D'accord, domaine de l'arbitrage, très bien. Alors une question, vous avez fait émerger un scandale autour de Christophe Galtier, l'ex-directeur du PSG, qui lui vaut d'être convoqué devant le tribunal correctionnel aujourd'hui de Nice, le 15 décembre 2023, pour y être jugé de chef d'inculpation de harcèlement moral et de discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée. Alors que pouvez-vous nous dire sur cette affaire et est-elle représentative du football français? Et peut-être une question sous-jacente, vous avez dans un portrait publié par Libération l'année dernière, vous déclariez beaucoup de grands journaux, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais vous déclariez beaucoup de grands journaux pourraient faire sauter la FFF demain avec les infos qu'ils ont. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le sortent pas alors qu'on parle de dossiers liés à la protection de l'enfance. Un jour, je balancerai tous ceux qui ont couvert. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des éléments précis à nous communiquer là-dessus? Je vous remercie. Et moi, je vais carrément. Et là, je pense que. Et c'est pour ça que je vous remercie de faire cette commission. Et là, je vais parler de devoir citoyen. Je vais carrément vous envoyer en privé ce qu'a l'équipe sur certains dossiers, notamment liés à ça. Et vous allez voir. C'est précis, hein. C'est pas on m'a dit que. C'est des pages qui n'ont jamais été publiées. Encore une fois, il y a des gens très bien à l'équipe. Et en disant cela, je me mets au pilori de ma profession. Alors après, je travaille à l'étranger, c'est pas grave. On va me faire passer pour un petit canard, c'est pas grave. Même en est, il est temps de parler. Il y a une omerta terrible. Et là, je vais vous donner un autre cas. Enfin, je vais vous donner un autre cas. Ça me fait penser, on parle de cette commission d'enquête. Vous avez, toute la profession est au courant qu'un entraîneur français qui était consultant à beIN Sports a été viré, manu militari, très discrètement quand même, hein, lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il avait été accusé par un prêtre d'avoir eu des relations sexuelles avec deux très jeunes Gabonaises au diocèse de Oyem, exactement. Toute la profession est au courant. Toutes. J'ai les mails internes, etc. Et personne n'a dénoncé ce monsieur. Donc pareil, à ce niveau-là, c'est assez terrible. Les deux filles n'ont pas pu être retrouvées, mais j'ai retrouvé le prêtre. Son témoignage est accablant. Toute la profession est au courant, notamment Monsieur Vendroux. Son fils était sur place. Et Monsieur Vendroux travaille avec cette personne derrière. Et quand il sent que l'affaire va sortir, oh là 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 là, non mais c'est pas bien, je le savais. Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi c'est toujours à moi de sortir les dossiers? Et c'est moi après qui me tape les procès, ici il est là. Donc ce manque de courage abominable de la profession me sidère. Et j'avais perdu votre première question, parce que je me suis emporté là-dessus. Ah non, oui, donc c'est le domaine de l'arbitrage, donc ça, c'est pas trop mal, je peux vous transmettre. J'ai d'autres sujets à ce niveau-là. Et encore une fois, il y a des gens qui font très bien leur boulot, hein. Des Non, Alban c'est. Traquet, d'Antoine Bourlon, des Rémi Dupré. Il y a des gens très très bien en France. Est-ce qu'ils ont la liberté d'aller jusqu'au bout? Ça, c'est un autre débat. La première question, en fait, concernait Christophe Galtier. Ah, Christophe Galtier. Bah, moi, en fait, si vous voulez, quand j'ai fait mon sujet, j'ai né les deux versions. Avec l'échange de mails, etc. Et en disant, si cet échange de mails. Et ce qui est avéré, en effet, on a un gros problème. Et de l'autre côté, expliquer, c'était la version donc, du clan Galtier, disant que ce n'était pas vrai. Et de la même manière, ça aurait été très grave de mettre des accusations infondées. Alors après, dans le domaine, on va dire, du racisme, etc., alors c'est de partout, clairement. Moi, j'ai déjà entendu des mecs dire, mais de toute façon, on va recruter du noir. Le noir, ça se vend bien. Alors, on a l'impression que c'est la foire aux bestiaux, vous savez. D'ailleurs, il y a quand même un club de 4e division française qui aime bien employer des joueurs sans papier. Ils disent on va te régulariser, on t'aide. Le joueur marque des buts et si ça ne va pas bien, il le paye plus en disant au pire, on dénonce. C'est à peu près les mentalités que vous avez. C'est assez effrayant. Après, il y a un racisme ambiant dans le football. C'est clair, net et précis. Mais le problème aussi, c'est que les joueurs, tout le monde se tait. Parce que les joueurs, excusez-moi, n'ont aucun courage, pour la plupart, parce qu'ils ont tous peur. Oui, mais si je parle, on va me dire si. Mais moi, je me rappellerai toujours d'un joueur qui s'est fait traiter de terroriste parce qu'il a fait la prière. Vous avez ce genre de mentalité, des fois, c'est assez terrible, mais c'est aussi, encore une fois, débridé à la Fédération française de football aussi, où vous avez notamment certains patriarches qui se permettent peut-être des commentaires absolument incroyables. Juste une petite parenthèse aussi, vous avez déjà eu en plein COMEX ou comité de direction à la Fédération du « Mets-toi ta gueule !» parce qu'une femme avait osé parler. Laura Georges, pour ne pas la nommer, devant témoin. Le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils se disent « Si on parle,
on vous coupe la tête. Je vous donne une petite anecdote, mais plusieurs personnes du comité de la direction de la Fédération française de foot m'ont avoué que dans cette fédération, en fait, il faut avoir un dossier sur l'un ou sur l'autre. Parce que comme ça, on est tranquille. Et des fois, je me disais, mais pourquoi autant d'incompétents restent dans les clubs? J'étais naïf. C'est qu'en fait, on te tient. On a un dossier sur toi. Et ça, moi, je pense que si vous auditionnez certaines personnes, vous allez tomber de votre chaise. C'est volontaire. Donc, ce milieu avec beaucoup de sujets à connotation raciste, ça existe, très clairement, ça existe. Et alors, le sexisme, là, j'en parle même pas. Là, c'est institutionnalisé. Une femme dans ce milieu, bien souvent, il faut qu'elle soit belle et qu'elle la fasse. Et le pire, c'est que vous n'avez pas de solidarité féminine. À la Fédération française de foot, les femmes entre elles se sont fait la guerre pour celles qui avaient le plus de pouvoir. Ce qui fait que toutes celles qui essaient, qui aiment le foot, ou qui sont là pour bien agir, se font spoiler, parce que vous avez des luttes des clans. Si tu n'es pas dans un clan, ça ne va pas. Donc, vous avez cette ambiance toxique, délétère, et malheureusement, aucune sanction n'a été prise. Il n'y a que M. Le Graët qui est parti, qui a démissionné. Mme Ardant aussi, il y avait un conflit d'attente depuis des années. Mais tous les autres, tous les gens qui ont permis ce système-là, pourquoi ils restent en poste? En Islande, je le redis, on est en Union européenne. Un viol couvert, tout le comité de direction a démissionné. En France,